BPX Production présente Belle Talk Show Magazine sur Haïti TV, chaîne 64.3 Digital. Du lundi au samedi, de 4h à 5h PM. This is it, Belle Talk Show Magazine sur Haïti TV. Tout cela pour vous apporter le bonheur auditif chez vous. Avec des rubriques différentes, les femmes d'abord, causez-moi des chaises. Qui ça la jeunesse besoin? Cuisine ses richesses. HPP mini-série, Belle Talk Show Magazine avec Sonny Belle en Forme, Aubry Blague, Régine Bastien et Gauthier Bernard. Belle Talk Show Magazine, pour toutes vos publicités, promotions et invitations, veuillez nous contacter au 786 642 35 35. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. Madame, Monsieur, nous retournons sur le Belle Talk Show Magazine dans une rubrique qui est souillée. Une rubrique spéciale qu'a faite ici en Phoenix, Arizona, dans la 13e session, 13e année retraite Néon. Nous avons reçu le juge Lionel Jean-Baptiste. Juge, grand film qui a regardé là. 14 ans venu ici, on entre le système, on pénètre le système, on fait tout le bagage net dans le système. Comment on fait pour créer l'eau? Quelqu'un qui a regardé là et puis on dit, ah, on veut juste ça pour moi si nous t'apprenons si bah Haïti là parce qu'il va pas les créoles vous appliquez bien nous quand on fait pas les créoles là comme si mes amis qui viennent ici pour même bien un an c'est bot amso ils parlent les créoles tout petit mais ou même ou qui aime bien créole ou pour qui ça est-ce petit tout ils parlent créole non tout petit moment question de langage là une bague que m'apprenez et puis toujours bah on tire blague on tire parle toute langue avec un accent comprenez donc créole français a plus difficile et anglais tout bah y a un petit accent là dedans but ça passe dans évolution langage lors vi nous côté jeune parce que l'aime te faire entrer a pas de bon communauté qui te gagne pile haïtien là dedans et puis mal l'école mal lycée bah comme ça mal en collège et pas entouré avec un paquet haïtien donc au cours du temps créole côté gain qui était en forme dans Haïti l'ont arrivé ici ou était challenge comprendre parce que ou pas pratiquer tout le temps en particulièrement collège etc mais nous t'ai pas jamais désengagé de communauté haïtienne dans l'aime t'ai en ville Brooklyn après collège passé 10 ans habité Brooklyn de 74 à 84. Donc, je suis engagé dans le travail communautaire et puis je suis participé dans la radio, radio le haïtienne. Là, ça a créé un petit genre de loup. Vous comprenez? On transitionné, obligé à faciliter le bio, mais je suis un peu le frère qui était pour Lionel Legault, plusieurs autres personnes qui étaient engagés dans le travail là. Donc, ils ont intégré la donne. Mais le plus que m'engager puis me vinn avocat m'a servi haïtien haïtienne et tout l'autre monde donc que la vinn gè plus facilité en termes d'expression de ça vous voulez dire so donc c'est pas facile on croit que en pile dans ti moun nou yo on voilà. Parler de ti moun mwen yo parler créole ti moun mwen yo parle pas m'pa ka di que yo fluent en créole mais il entre en Haïti, il a toujours apprenti classe créole, yo parle avec yo et yo répond, genele, you know, il engage pour un bon moment, genele tout yo détaché. Pour connait pour qui ça met tout ça juste parce que moi entre non perspective pour construire leadership politique, leadership économique haïtien pas bon ici. Moi constate grand pile petit haïtien qui pas parler créole. Et cependant, vous mentionnez pas yo yo Payol yo lèw vini ici. Y a goumen pou petit yo parle anglais, mais yo toujours parle espagnol avec yo. Tandis que ici, ou senti que ti moun nan rejeté langue maternelle, la langue vernaculaire là. Donc on pense que ça son gros problème qui question linguistique là juge. Well, son problème lié vraiment lèw vin intégrer tête dans l'autre pays. Côté ti moun yo a vivre dans contexte côté c'est langue principale pays a y a parlé. Du difficile pour yo kembe langue maternelle paternelle yo et moi quoi yo yo gen ti difficulté tout parce que comme on juge je ne vinn pas passer devant tout le temps donc
li difficile. Même pas quoi que moun yo rejeté ça parce que dans la pratique en génération maman mak papa mais l'autre moun yo yo parle avec en petit yo en créole et you know ti moun yo c'est eux même qui traduit pour yo. Donc ti moun yo pas nécessairement dans contexte que tu as parlé langue dans tout temps. Et ça fait ouais yo vinn commencer perdre du lit en living difficile mais en même temps tout en pile nan yo tant comme te di que haïtien li pa pè loyauté. On bon soit parler de concept de appartenance à un pays, à une nationalité. Haïtien américain, li pa wet li comme américain non. Li américain. Oui. Mais qui ça veut dire pour lui? On bon li pa veut dire une substance. Li pa gen histoire américain vle perpétuer pour le monde. Son histoire de exploitation, de racisme, non pas que discrimination. Jeune haïtien américain pas identifié à base. On bon li identifié plus à valeur que Haïti représentait, valeur que ça valait en termes de personhood, les personnalités li qui m'ont lié humanité li. Humanité n'est pas définie par d'être américain, elle est définie par d'être haïtien. Okay. Donc, le langage, il y a des difficultés, mais c'est une question d'institution. Nous, indépendants. Parce que Brooklyn, New York, la majorité des jeunes haïtiens sont exposés à la créole tout le temps. Oui, c'est vrai. Mais nous avons élu là qui sont à Alabama. Alabama, c'est vrai. Quand elle joue, il va vraiment jouer dans le monde. Il va vraiment jouer dans le monde. Donc, elle dépend de côté nous. Yeah. Très bien. Et juge, à nous garder au même qui juge dans le système judiciaire américain. Hein. Et l'on regarde la justice en Haïti, qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Well, question de la justice en Haïti, il y a un contexte. Je ne sais pas. Ou pas séparer ce qu'a fait dans le branche judiciaire là. De ça qu'a fait dans la société. Okay. Nous avons une crise de gouvernance en Haïti qui vient poser des gros obstacles pour le travail que nous avons fait qui vient cumulatif ou pour arrêter cumulatif. Parce que nous avons un pile d'efforts fait dans certaines périodes dans l'histoire d'Haïti. À cause de nous faire des élans en avant, nous faire bac, etc., etc. Mais gouvernance, nous avons une crise de gouvernance. Crise de gouvernance là, nous pas joindre leadership de bonne volonté, de bonne foi, qui même dit leadership là, il est trop individualisé. Okay. Nous pas joindre en tolérance là, en dans pays là, qui a toléré le fait que nous imparfaits comme leader, nous imparfaits. Donc ça on individu poté après 86 ans les peuples a levé le voyez les jeter dictature là nous venons gagner président Aristide qui est élu à un gros pourcentage nous venons intolérants et d'autant plus mouvement nous yo une faiblesse mouvement nous yo c'est que nous pas vraiment gain continuité nous avons tendance continuité parce que ANC dans Sud-Afrique ANC c'est 1917 bah ça oui que nous avons créé organisation c'est vrai et puis yo continuer travail là jusqu'à présent ANC représenté dans gouvernance parti bataille bah comme ça les Mandela était en prison il était gagné une sorte de loyauté adhérence mais c'était à ligne ANC, les Humasake là, qui étaient mon parti à lui en exil, c'est de parti à la palle. Comprenez? Donc, Marianne Makeba, on pas qu'être l'autre activiste qui était en bas sol, qui tape travail. Nous-mêmes, qui gagnons plus, un plus grand nombre d'années à lutter, organisationnellement, nous pas créer en continuité hein, pour nous passer par Genio. Tradition d'organisation et tradition de tolérance et tradition de création de leadership. Nous venons arriver à un côté,
pays a vle leader qui parfait et nous tout imparfait. Parce que bon gros problème m'a posé là, oui. On va poser un problème de transmission de savoir, un problème leader yo qui là et néo qui était là avant, pas lui faire éducation civique, sociale et politique jeune yo. Ouais, on pas même parler de police bah, civique là parce que à un certain niveau il y a beaucoup vraiment fait gros faillite sur question de travail civique là parce que passé 14 ans éducation en Haïti me sorti you know senti t'es haïtien t'es okay. You know histoire pays moi t'es dans tête moi là comme ça les traversons et presque majorité okay. Élève yo gain ça sont question de en termes de mouvement pour nous vraiment bâtir une société. C'est pas spontanément que bah, ça fait. Il fait par le fait que nous, par intention, organisé. Okay. Mais, je parle de ANC. ANC existe dans la période de apartheid, que vous prenez le leadership, vous bataille pour créer une nouvelle société. Nous-mêmes, dans le pays, pas nous, il y a plein de monde qui luttait. Mais en termes d'organisation, pour, parce que c'est l'organisation qui fait bah, marcher. C'est pas spontanément. Mouvement paraît, nous mettons pas quelqu'un dans la rue et puis nous venons créer un bagaille qui sont résultats de qualité basse. Et ça, on retourne sur la question d'Aristide. Aristide vient gagner l'élection. Le peuple a gagné la lutte pour voir la dictature aller. Mais le process pour défendre le et pas spontanément, et pas le fait que Aristide qu'on parle bien parler. Pour défendre Genyo, il faut qu'on t'ait organisé pour défendre Genyo. Gen que nous gen t'ai fait yo. Là que même si nous t'ai gen plus moun qui t'ai dans mouvement, mais là l'armée a sous leadership Cédras et Michel François police pas comme ça. Yo t'ai puis organisé, c'est une minorité yo t'ai mais yo t'ai puis organisé, oui, yo t'ai gen zam. Mais nous même nous pas gen aucun défense. Qui ça t'appelle défendre Genyo yo? Rien. So, les gens ont envahi, toute militance nous, et puis nous éparpillés, nous voyons nous par Guantanamo, nous venons de tous côtés, nous perdons un paquet de force, fondamentalement, mais nous pas organiser force ça pour te répondre à contre-révolution qui est venue contre le mouvement. Donc, on va poser un problème fondamental là, ce n'est pas extraordinaire ce qu'on a fait là. Madame, messieurs, n'a parlé avec juge Lionel Jean-Baptiste donc qui compte histoire très bien qui était bien ancré dans la question histoire dictature d'ailleurs il était Timoni grandi dans même époque là donc a posé un problème fondamental maintenant là nous te fin gain encore ça relé acquis démocratique là vous estimez que les ça était important pour nous planifier l'organisation du pays ce qui pas fait qui ban nous ça comme résultat parce que ou équipe gain aujourd'hui. Yeah, et puis alliance nous, alliance de leadership. You know, nous fin gain lutte 86 là. Et puis dans lutte entre nous, qui moun ki pral poser candidature, qui moun ki pas poser candidature, ou vin gain une sorte de perspective que moun ki vin gain en kounya président Aristide, pas gain vraiment une adhérence à une certaine ligne de travail. Parce que sou pa gen un programme de travail, une ligne de travail ba comme ça. A qui moun ou gen accountability? Qui moun a qui moun répond? Et pas parce que ou brillant individuellement que ou joine résultat, ou joine un chemin pour avancer travail là. Et parce que ou fait partie d'un processus côté moun ka kembo consistant et loyal à feuille de route là. OK? So, nous manquons là ça. Donc, le mouvement évapore. C'est gros que je dis là. Vous n'êtes en Haïti, si c'est avec vous, vous avez un bon coup de cloche. Moi, je n'ai pas un cloche pour sonner cloche. Vous avez un gros bagage. Vous connaissez, m'attendez pas pour ça. Donc, Louko, vous avez un bon coup de cloche. Ça veut dire que, vous voulez dire, et pas parce que vous avez une compétence seulement, si vous n'êtes pas rentré dans une vision, dans un projet, dans un programme avec une équipe. Donc, si vous n'avez pas ça, même si vous avez une compétence, vous n'avez pas de résultat. Yeah, ça fait, individu, nous sommes imparfaits. Nous avons des idées qui sont brillantes, mais il faut que nous pratiquions. Et il faut que nous ayons une organisation, un entourage, nous, qui
mener travail là avec nous parce que ou prend Jovenel Moïse qui t'a circulé à droite et gauche dans tout pays à pour faire un paquet de projets. Very good. Yes. En fait, le projet était bon. Mais est-ce que tu as une organisation qui t'a implémenté? Est-ce que tu as un processus de délégation pour faire barrer au marché? C'est une imperfection que nous-mêmes nous intolérants à nous intolérants à Aristide, pas parfait, c'est ton pelletier, des omnipotents dans l'église, les vins au président. Est-ce que tu étendais l'autre monde? Est-ce que en pile monde critique en termes de manque de adhérence à feuille de route parce que il était pensé que était brillant assez, il était brillant. Ou gagner coup d'état fait, nous lutter, nous tout fait partie de lutte là pour rétablir l'ordre constitutionnel, lui retourner en 94. Fine. Lui aider mettre en préval au pouvoir. Mais même les préval te ban nous au sens que nous t'es capable faire transition ça pour au monde venir au pouvoir de gérer lui. M'baka grand plus monde qui compte plus que moi même qui a dit mais ça mais gagne que nous t'ai gagné sous préval. Beaucoup qu'à quantifier moi-même, beaucoup qu'à quantifier pour me dire, mais gagne en termes de développement, développement. Parce que et pas pour idée seulement nous travaillons pour pain à beurre. Est-ce que peuple nous a été joué plus pain à beurre sous gouvernance préval? Pas qu'on est si nous car pas qu'on est. T'as l'heure ouvrons parenthèse sur question. Et Jovenel Moïse là, je pas connais sous ca répondre question ça parce que me connais c'est juge et me comprendre ça veut dire juge tout comme monde qui sont juges de formation moi-même. Et est-ce que président Jovenel Moïse mouri ou soit haïtien, c'est sûr que ça touche en pile. Est-ce que vous pensez par rapport avec Jean et arrestation qu'a fait là, nous gagne du toi mon cité qui pas bon ici dans main la justice américaine, vous pensez qu'on espoir pour président Jovenel Moïse ta jeune justice? Oui, j'ai espoir pour la justice. La justice n'a pas marché rapide. Elle est extrêmement lent. Et même ici, vous connaissez depuis quelques temps, on a parlé de action légale qui a pris en compte Trump. C'est vrai. Pour pas le Capitole là, son siècle, son siècle, non seulement 6 novembre. Mais monsieur arrivé au pouvoir, il y a un paquet Zak que monsieur t'a fait sexuel bah comme ça pour te barrer ça. Donc tout barrer ça extrêmement lent et même les wapan judiciaire a bâti en sorte de cas. Boy si l'on bon prosecuteur cap côté cas cap français de bagaille. Li prend temps pour accumuler recherche là etc. So j'ai espoir toujours. Mais ça va veut dire que you know, politique l'on parle déterminatif de qui ça parle fait. Même gay espoir toujours. But, ne voulez vous toucher sur question de gouvernance. On a dit. Ok? M'passe, non seulement dans l'organisation ni en an, que nous sommes un membre fondateur, nous organisons un groupe qui est le pour aider les Haïtiens pour fortifier Haïti, qui luttait pour ce que c'est double nationalité, et qui était venu gagner la lutte. C'était pas seul. M'organiser un groupe qui est le Front Uni de la diaspora haïtienne. Ok, Front Uni. Yeah. So, tout travail que nous faisons, pas nécessairement venu cumulatif, parce que même l'on gagne pour double nationalité. La stratégie, c'était où l'ouvre barrière. Nous venons de double nationalité, nous intégrer nous dans le travail là, bon droit de vote nous etc. pour nous faire travailler au marché. Mais gouvernance dans lui-même, est-ce que j'aime codifier loi amendement constitutionnel là qui ban nous droit comme haïtien, comprenez, haïtien qui t'a vivre à l'étranger, haïtien qui fait en dehors du pays, haïtien qui naturalisé, il y a pas j'aime codifier pour que bon un processus pour exécuter. C'est ça qui est important en termes de gouvernance. On prend un exemple ça. Il y a question de dîner pas
qui supposé ban nou de l'eau. Tu yo cassé. Sou gen problème dans des zones côté l'eau pas ka délivrer parce que tu yo raison qui va lever ba ça c'est après un cyclone Mathieu. Nous t'a travaillé pour nous qui jeune ta ka nous joindre support pour nous aider délivrer de l'eau dans certaines zones. Tu au cassé dîner pas tap tant nous grain qui sort dans l'autre pays moun pas venir aider donc ba yo tombé exécution travail là non seulement au niveau particulier mais au niveau général ou bon pays qui gagne deux branches Sénat et chambre députée qui loi passé nous voulons passer des lois sur question de contre discrimination contre haïtiens qui vivent à l'étranger parce que you know on vivre à l'étranger ou citoyen l'autre côté ou voulez faire bagarre en Haïti c'est toujours difficile pour faire gain question de qui gens pour nous té gain nous besoin décentraliser pays à pour ka pour municipalité ou ka gain budget pour yo faire travail au marché qui ça ka fait au niveau de gouvernance pour exécuter pour appliquer pour effectuer travail yo. Donc sou pa gen ça ou pa gen rien du tout ou pa gen rien comment c'est dans pour ça bon nouyé n'a fait ça nous voulait on voit c'est vrai maintenant et à nous garder question ça madame monsieur ou suivre ou qui est souillé n'a parlé avec Jean-Jonel Jean-Baptiste à nous garder l'homme monde par exemple ou même qui juge ou en position de sagesse ou en position de grande moralité et qui ça qui fait force on juge et système là qui fait force on juge système là OK gouvernance et gros bagarre ou dit là gouvernance là oui et pas individu comprendre ça veut dire quel que soit niveau intégrité honnêteté un individu si pas un système ou pas rien comprendre individu a on ca prendre pension demain et bien l'autre monde prend place moi monde qui prend place moi supposé appliquer loi yo OK supposé prendre considération you know les faits que mon a mettez sous table pour déterminer qui gens loi supposé traiter en caillou et li bon opportunité pour les monde pas d'accord avoir que gon sorte de coup d'appel côté au ka reconsidérer ou ka attendre l'autre perspective bon check and balance qu'il a donc et système nan qui bon autorisation pour ka exécuter mission système judiciaire là c'est pas et pas et pas compétence ou gagner hein et pas éthique ou gagner hein et pas entre guillemets ou prétendu un monde qui moral et pas ça donc c'est système nan et système nan parce que aux États-Unis par exemple ou ka vinn nous juge parce que ou poursuivre lui ou vinn élu ou ka vinn nous juge parce que yo appointé ou pour remplacer un monde qui était dans poste qui mouri qui retire ou ka vinn nous juge au niveau de la Cour suprême, d'après la qualité de travail ou fait, ou bien monté, et ou ka vinn juge d'après la politique ou alliance ou appartenance. Donc, you know, moun jwenn moyen pour avancer, système nan jwenn moyen pour remplacer, pour remplir vide dans le système. Nan. Mais individu a li compte seulement par rapport à un cas que le cas prend a men gen moun ki prend cas tanko question de expulsion haïtien qui foule le terrain en bas del Rio Trump t'es pas son bar qui dit on va qui le title titre 42 monsieur utilise un bagage que CDC
qui c'est Center for Disease Control, utilisé pour dire Moussa Kapante, il a porté maladie. On utilise ça. On utilise ça qui dit pas quitter l'entrée parce que nous ne pouvons pas prendre risque de maladie à l'entrée par Moussa. Donc, bloquez-le. Le président me déclare. Bon juge qui dit non, il est trop arbitraire. Vous comprenez? Vous faites ça parce que vous voulez exclure un certain groupe. Et parce que vous avez des diseases, vous avez des maladies. Mm-hmm. Parce que vous-même, vous avez l'intention, vous voulez exécuter une sorte de limitation exécutive. Donc, vous avez un juge qui prend position contre ça. Le fait que vous prenez position contre ça, ça a une loi. Vous comprenez? Mais le juge qui prend position contre ça, il va passer juste ça, il était contre Trump. Il était ceci, cela, sur l'autre bord, parce que lui-même, il garde des balles à l'ouest, qu'il est arbitraire. Donc, côté pouvoir, il sorti dans le système qui est bon latitude. Et puis, aux États-Unis, nous avons une question de jurisprudence, nous avons une question de précédence, etc., etc. Côté décision arbitraire, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça qui est déterminatif. Très bien. De ce qu'on fait, et nous connaissons, il n'est pas facile, madame, monsieur, pour faire une interview avec un juge qui gagne aussi un culture générale, les gagne culture presque dans toute bagaille, parce que le juge là l'a fait face chaque jour à toutes sortes de procès, à toutes sortes de procédures. Donc il n'est pas facile, mais nous faisons plus l'effort pour nous poser les questions les plus essentielles, les plus pertinentes, et juge là nous voit comment que il possède verbes, il possède sujets, il possède matières, il répond avec un pile élégance, avec un pile facilité. Nous allons faire une interview avec Jonel Jean-Baptiste. Juge, si vous avez envie de dire, et puis nous pas de question ça, c'est qui ça lié. Ouais, me féliciter nous comme journalistes, okay. Parce que c'est nous-mêmes qui éduquons le peuple là. Radio et télévision viennent un médium qui est extrêmement important pour nous. Côté nous ca confondre peuple là. Nous avons apporté clarité. Tout. Donc, le travail est extrêmement difficile. Et je connais en Haïti, même si je mets pression sur les juges, sur les politiciens, je mets pression sur les journalistes. Tout. Donc, si dernière fois tu as parlé de radio que je remets en pile, radio-télévision Guinée, des fois, journaliste yo di you know gen pile manifestation nous pas ta couvri yo parce que moun yo tourné attention yo compte parce que yo pas parlé dans même direction. Donc nous besoin ka respecter wall nous dans société a, ça veut me parler de tolérance et me parler de nous pas ka parfait, you know, en Haïti. Si nous adoptons, nous avons un pire main, nous avons de musique, les nous dit quittez qu'on pas marcher. Si nous quittez le pays à marcher, souviens le président demain. Vous avez un entourage ou monde qui travaille avec vous pour faire travail à marche ou faire de route. Besoin d'aide, facilité, travail là. Si moi-même, je suis Kevin président, besoin faire travail moi pour participer dans l'élection pour éventuellement devenir président. Baka connaît que c'est eux-mêmes qui en charge et puis m'a coupé pied ou m'a mettre obstacle dans chemin ou m'a fait manifestation chaque jour, m'a fait pays lock, m'a fait ceci cela sur l'autre bord. Bon qui j'en pral ca exécuter aucun ba. M'a pas faibli ou. Et puis m'a dit ou pas ca faire. So journalistes ont besoin de faire travail. Élus ont besoin de faire travail. Nous avons besoin de décentraliser le pays pour que, au niveau municipal, yo, et le peuple lui-même li ka mange. Nous avons besoin pour les jeunes qui ont à l'école de faire travail. Les professeurs ont fait travail. Yo, nous payons. Nous avons besoin de quitter le pays dans tout le balance du système de marché. Le système a besoin de marcher, il est imparfait.
Mais si nous avons un système, allez, nous fait combien d'administrations nous avons gagné depuis 86? Aristide, deux Aristide, deux Préval, Matéli, Jovenel, Privé. Il y a une possibilité pour nous faire barrer au marché. Si nous quittons au marché, vous ne quittez pas au marché. Nous sommes alliés. Okay. Non, parce que, ça, qui ça me parle fait? En 2014, il m'a fini tout. Nous courons mener 36 personnes dans la famille entre en Haïti. C'est une petite ouverture de stabilité. Il y a là qui a 88 ans, il y a là qui a 2 ans. Les familles ont besoin de reconnecter, nous passer dans toute racine, nous yobas. Et parce que c'est une balance qui est là toujours. Il y a la vie débalancée. Ou pas son café. Si nous sommes allés avec nous en 2014. Nous avons pour nous porter revisiter des écoles, gain bourse n'a boye ba comme ça. Qui l'en a retourné? Yo pas ka comprendre. Pour qui ça? Yo pas ka retourner dans pays grand-mère yo, maman yo, papa yo pour yo continuer à aider moun qui n'en besoin ou aider avancer intérêt pays a. Donc pays a besoin quitter compa marché mais voilà. Merci. Vous avez fait. Merci en pile, juge Lionel Jean-Baptiste. Donc, quitter pays à marcher. 60 blocs pays. Laisse ça la bon pour tout le monde. Donc, c'est bel message ça à nous, juge Lam. Et fini interview. Madame, monsieur, vous avez suivi Bel Talk Show Magazine. Maintenant, oui, qui est suivi? Invitez-nous, c'était juge Lionel Jean-Baptiste. Avec nous, regardez. Différents points, différentes questions t'es posées. Restez branché télévision, on a tourné avec Sony Bell en forme. En forme, hein. Bon bagage. Bon bagage. Bon ba... Pouvoir, puissance. Non. Oh oui, c'est ça seulement qui t'es manqué dans la communauté. Ariol Music School vini avec vous nous. Ariol Printing and T-shirt Service. Yo fait printing sous tout bagay, maillot, chapeau, képi, drapeau, gobelet, plaque, etc. N'importe quantité et yo rapide. Candidat, groupement, jazz, équipe fanatique football, business qui gagne pile employé. Pour semaine ça, yo gagne 10% off pour toute l'église qui besoin printer maillot. Garantie 100%, y a bon yon travail professionnel. Relé Ariol Printing and T-shirt Service. 786-357-0014. Rileo nan 786-357-0014. Y'a bon service là. Pouvoir, puissance. Non, pam, c'est Clifford Raphaël de Raphaël Enterprise et c'est lui et BPX TV Réseau. Tout le temps, t'as parlé de lui, m'suis sur le téléphone, moi, la télévision, tout côté. Ou même, est-ce qu'on fait même bagarre là? BPX TV Réseau, allo, Sony Bell en forme, red. Moi te gagné une possibilité pendant que nous t'étais là bois. Moi café m'a pas. Tu pas ça me trouver café m'a pas gitan. Pendant que des Phoenix Arizona, nous t'ai rencontré avec pas mal de grands autobrés, même des gros autobrés. Des monde équivalable qui travaille dans la communauté nationale et internationale pour nous, des monde qui soutiennent Haïti qui était déjà gain non qui a déjà gagné possibilité pour éduquer nous en Haïti mais pas de chance pour faire éducation en Haïti au niveau de justice. On va quitter avec Gotchen Bernard qui parle gain un juge haïtien qui vit dans les États-Unis d'Amérique qui va font parler avec nous parler en long et en large. T'aime quitter Gotchen Bernard faire show ensemble avec nous parce que nous après bien content. Tendez monsieur capable font un bon râler là avec un juge pas non haïtien natif natal haïtien qui va là avec nous là. Restez moi je suis pas déconnecté. Enjoy. Madame, Monsieur, bonsoir, bonjour. Dépendamment qui joue à suivre l'émission, ça. Eh bien, on va suivre la rubrique qui est souillée dans Bel Talk Show Magazine. Nous allons parler avec un gros personnalité dans le cadre de la rubrique, ça, aujourd'hui. Hein. Donc, il y a un monde qui passe des présentations. Il y a un monde qui a regardé là et qui doit penser à parler de Maître Giragoug. Eh bien, ce n'est pas Maître Giragoug, c'est une personnalité. Nous rencontrons dans Phoenix, dans Arizona, dans le cadre de la 13e session leadership que nous avons organisée. Eh bien, c'est avec
monsieur ça que nous parle parler. Malheureusement de coïncidence, heureusement li son juge. Bonjour juge. Bonjour mon frère. Donc qualité compliment ça n'a comparé ma mettre go qui font paquet de travail qui quitte un legacy qui extraordinaire. Mm-hmm. Donc m'apprécier ça. But ou connaît n'a pas obligé bâti sur ça, ça le fait. Mm-hmm. Tout à fait. Mais est-ce que ça va arriver ou arriver des côtés et puis parce que c'est Girago? Non, beaucoup. Il y a des gens qui disent me semble lui. Et puis il y a un frère qui voulait développer une bibliothèque au nom de Girago, qui voulait, c'est moi-même qui pouvais aller lui, d'apprendre devant pour m'avancer, travailler ça. Donc, you know, je joue une qualité, comparaison ça, compliment ça, mais. Non, beaucoup de monde qui fait ça qui dit. Donc, yeah. Monsieur Lionel Jean-Baptiste, où c'est juge Illinois? Donc, parlez-nous un peu de où. Qui est-ce que vous êtes? Haïtien qui fait ici aux États-Unis ou bien en Haïti? Qui est-ce que vous êtes? Non, je suis aux États-Unis à l'âge de 14 ans. Donc, j'ai déjà trempé dans l'histoire du pays. Donc, je vous dis ça. À propos de Timoun, moi, yo, m'di, depuis, il y a un morceau de pain qui trempe dans le café. Ou pas, j'aime pas séparer le café de pain. Hein. Donc, je suis arrivé ici, c'est dans la période de civil rights aux États-Unis. Donc, je suis engagé, je suis appris en pile dans ce qui a passé aux États-Unis en termes de mouvement pour noir vingt droit. Mais je suis allé dans une autre perspective, une différente perspective, parce que j'ai déjà une qualité de pensée, une sorte de perception de tête moi, qui était mettait dans un contexte que j'ai gagné une sorte de psychosis de race, d'infériorité. Donc, je jouais tête moi. Comparable à n'importe qui. Sorti d'une famille qui n'a pas de gain matériellement, mais qui était riche en termes de sa pensée de petite valeur, éducation, travail, du bas comme ça. Donc, à l'école ici, lycée, puis je suis matriculé dans Princeton Université. Je parle anglais, mais. Je suis venu ici dans la famille, j'ai eu 5 soeurs, 4 là-dedans qui étaient faites ici. Donc, je ne sais même pas comprendre la transition de ne pas parler à venir parler. Parce qu'on est dans les oreilles tout le temps. Oui. Donc, la transition n'est pas difficile. Et puis, j'ai eu le choisi le collège et puis Princeton Université, j'ai eu avec les beaux. Apparemment, j'ai porté assez de capacité. Sous table là côté m'étais qu'à joindre accès à carte université ça et puis you know, comme haïtien donc on me dit nous sommes qui était toujours conscient de qui nous moyen donc nous continuons de travailler là dans collège et puis période de temps que l'aime fini je valide c'est au pouvoir de Brooklyn de 74 à 84 que j'ai participé dans plusieurs bagailles. Mon radio, une station radio qui était le haïtienne, qui était qu'on barre un peu de nouvelles sur ça qui a passé, puis on connaît Brooklyn haïtien qui organisé tout le temps. Nous participer dans plusieurs événements et puis nous continuer de travailler là. Stakio, pour nous, you know, nous pas intimider par challenge qui gagne parce que nous sortis d'un peuple qui était si tellement, you know. Gen pou le confronter en pile obstacle que nous venons créer une sorte de capacité pour le faire bailler. Donc vinn nous juge m'étais toujours intégré tête moi dans communauté côté m'a vivre ça veut dire nous sommes des servis communauté haïtienne non servis africain américain ou tout l'autre monde qui était besoin blanc quel que soit ça yo et m'étais toujours j'ai passé 10 ans comme un élu tout dans la cité côté d'habiter. J'étais un
pas qui comparatif avec Haïti, mais c'est dans gouvernement municipalité. OK. C'est un alderman, city councilman, bah ça. So là, m'te manifesté qui mon moyen. Ou campé sous son campé. Donc, moun reconnaît ça comme avocat, m'te fait advocacy non seulement pour moun New York qui a besoin d'assistance légale au niveau d'immigration, mais devant le travail tout dans la question de civil rights. Et puis tout, m'te engagé dans la lutte pour réparation pour African American aux États-Unis. Okay. Donc c'est même peuple là. Même peuple là. Donc nous gagne même nous sommes dans même point de départ là en termes de nous tous subi exploitation, esclavage. Okay. Donc rectification, on est toujours engagé dans bas ça me représenter une perspective qui dit que you know bah ça pas de bon. C'est les contre intérêt humain et que c'est dans lutte là nous t'échanger réalité nous son, donc c'est dans lutte là pour engager tête nous pour continuer à avancer très bien donc nous reconnaître ça et puis l'elle était là pour bah juge là t'est venu ou travailler comme avocat et puis après ça premier bah là pour me river juge c'est cour suprême de l'île noire qui était appointé moi okay. Et puis après ça m'était obligé de poser candidature moi pour me compléter pour me prendre charge d'un terme que me t'a servi comme un appointé. Vous comprenez ça? Très bien. Maintenant, tout à l'heure, dans le coup d'intervention que tu as fait en dedans, et il y a un bagage qui dit qui attire l'attention. Par exemple, on parlait de l'important pour nous build, pour nous construire bon, ici un leadership. Et leadership, ça a demandé pour nous construire avec autour de nous-mêmes, avec Timoun nous qui a grandi, mais on met accent sur un bagage. On dit faut nous commencer par gain cob parce que nous besoin l'argent. C'est pas tout le temps prier, crier, chanter hymne national, mais faut que nous gain l'argent. Qui ça veut ça veut dire? Well, message principal moi jodi a et me te soumettre une proposition by Neon pour considérer pour l'adopter. C'est nous t'ai parlé de au niveau domestique aux États-Unis nous voulons pour nous lutter pour pouvoir pouvoir électif non seulement au niveau national dans congrès américain mais au niveau chaque état pour nous poser candidature nous pour nous arriver le plus haut possible pour nous servir intérêt peuple niveau municipalité nous pour nous participer dans toute qualité entité gouvernementale même des immunités tout pour nous arriver pour nous faire travail ça il faut que nous gagnions ressources ressources matérielles donc il faut que nous considérions puis pour nous développer des stratégies pour nous arriver là donc c'est pas parce que au besoin qu'on joigne mais parce qu'on travaille pour être sous cage parce que ça qui est fondamental là. Et madame, monsieur, n'a pas rappelé, n'a pas recevoir juge Lionel Jean-Baptiste, qui c'est un haïtien qui vit ici à 14 ans. Et puis, qui juge. Donc, c'est justement un haïtien qui fait valeur au honneur pays d'Haïti. Maintenant, et juge Lionel, est-ce que vous pensez, dès qu'on parle de dynamique ça, est-ce que vous pensez ici aux États-Unis, politiquement, nous pas assez organisés, nous? Puisque il y a des gens qui toujours a dit haïtien toujours a voté gratis. Est-ce que c'est dans la perspective ça ou faire une recommandation ça? Non, nous pas qu'à dire ça parce que évolution nous c'est que nous sorti dans un point de départ côté nous était absent. Mais les haïtiens devaient commencer à rentrer ici, nous connaît un exodus de les nous tape les papa docteur fait travailler en Haïti, baby doc etc etc. Nous perdons en pile haïtien qui parti. Ils étaient venus aux États-Unis, ils étaient au Canada, ils étaient au Congo. Donc, au début, nous pas de gain capacité que nous gain là kounya. Nous gain plus capacité kounya là. Nous gain plus, nous ka fait plus. Donc c'est en 2009 nous créé Neon.
on prend une organisation, il y a une douzaine dans nous qui te met tête nous ensemble à Washington DC, qui te commencé à parler de valeurs que nous gagnons comme élus et accès que nous gagnons. Parce que l'on élu qu'on est là et puis on gagne pour communiquer avec un autre élu américain, pas yol quelque chose à lié à, ou qu'a toujours leverage position par ou pour dire ok, mais qui veut moyen, ok, nous t'arrêtons, mais ouais, qui j'en t'a avancé des policies, des perspectives, accesser des supports. Parce que en 2009, soyez bien, c'est année avant tel en Haïti, oui, Marie Saint-Fleur, qui était principale, personne principale qui était rallié nous ensemble, mademoiselle, c'était une assemblywoman en Massachusetts, était très près avec John Kerry qui était sénateur Massachusetts. Okay. Laisse ça, moi-même avec nous en Haïti, 3 semaines après le tremblement de terre là, c'est chaque jour que tu es dans le téléphone avec un sénateur pour demander pour USAID et l'autre support que tu as besoin pour faire pour aider les frères qui ont péri dans le bas. Vous comprenez? Donc, qui t'a souffert dans le tremblement de terre. Donc, nous parler de faiblesse, bon évolution. Nous pas faibles, nous strong, mais son évolution, nous sortis à peu près une douzaine dans nous. Nous avons presque 150 élus et ex-élus haïtiens américains. Et c'est son bail qui a multiplié exponentiellement. Parce que génération nous qui a grandi ici, comme tu as dit, nous avons presque 10 millions haïtiens américains. Ça que tu fais dans Haïti, plus ça que fait ici. Ils sont engagés dans tout domaine. Donc, son question de qualité à quantité, quantité à qualité. C'est comme on le met c'est qualité quantité après. Le met on de l'eau pour bouillir. Comprenez? Après un temps, l'eau liquide la vie nous on fume. Comprenez? L'arrivé non quantitatif degré de température. Donc peuple noir cap travail ici, cap chercher moyen. C'est pas jodi a commencé faire bah ça. Il y a essayé fait travail ça depuis quelques temps. Donc ou joindre progrès qui fait dans certains niveaux et où joignent en pile l'autre challenge qui était. Donc c'est pas ça on a géré. Nous pas en dehors de processus là, nous la donne. Nous pas facile, mais nous croyons que on a fait progrès et nous souhaitons que nous ca traduit progrès ça yo à aider pays nous. Très bien. Madame, Monsieur, nous avons reçu le juge Lionel Jean-Baptiste. Avec lui, nous avons pris différents points. Nous avons regardé Néonan. Nous avons fait justement historicité qui côté sorti, qui côté là aujourd'hui. Parce qu'au départ, il n'est pas facile pour Haïtiens d'intégrer le système et administration ou encore le système politique américain. Mais je veux dire, il y a un pile d'efforts qui fait. Nous allons proposer d'un tourner. Nous allons regarder le juge par rapport avec la justice haïtienne. Comment ça est? Et puis nous allons regarder le juge dans tout. Par rapport avec présence aujourd'hui qui est très spécial. Restez branchés, n'a pas tourné. Real time, good time, best time, all the time, n'importe qui le relais numéro ça pour nous avoir plus d'explications. 786-642-3535. Haïti, 509 Area Code 3401-2424. Pas oublier, son pommade pour douleur qui fait aux États-Unis, quel que soit douleur gagnant, c'est causé, mais pommade ça, inflammation, blood circulation, you name it. Relais pour plus d'explications dans le numéro ça. 786-642-3535. Haïti, 509 Area Code 3401-2424. Si vous avez un rhumatisme qui a calé dans la main, si vous avez une douleur dans le pied ou pas à camp ou pas à marcher, ou une douleur quel que soit ceinture épaule, quel que soit côté fait opération ou pas fait opération, relais numéro ça. 786-642-3535. Haïti, 509. Area Code 3401-2424. Pour ma de la fête, aux États-Unis depuis 1998, FDA a approuvé, le docteur recommandé, si vous avez 2 ans qui a servi avec sans problème, li pas chaud, pas fret, li pas un couleur, pas un sein, li pas un tache-tap qui te sou. Relais numéro ça pour plus d'explications. 786-642-3535. 3535 Haïti, 509 Area Code 3401-2424. Relais, si vous ne répondez pas, quittez nous avec numéro de téléphone. Très important, le numéro ça. 786-642-3535. Haïti, 509 Area Code 3401-2424. N'appelez un appel avant de marcher. Pouvoir.
puissance. Oh oui, c'est ça seul manqué dans la communauté. Ariol Music School vini avec pour nous. Ariol Printing and T-shirt Service. Yo fait printing sous tout bagay, maillot, chapeau, képi, drapeau, gobelet, plaque, etc. N'importe quantité et yo rapide. Candidat, groupement, jazz, équipe fanatique football, business qui grand pile employé. Pour semaine ça, yo gen 10% off pour toute l'église qui besoin printer maillot. Garantie 100%, y a bon yon travail professionnel. Rele Ariol Printing and T-shirt Service. 786-357-0014. Rileo nan 786-357-0014. Y'a bon service là. Pouvoir, puissance. BPX TV Réseau, ça fait bam. Belle là, c'est où qui belle. Alors, on va aussi avant. Belle Talk Show Magazine, Belle Talk Show Magazine. Pour toutes vos publicités, promotions et invitations, veuillez nous contacter au 786-642-3535. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. Voilà, voilà. Je t'ai quitté Gautien Biana à faire toute émission avec nous parce que le dégain est possibilité pour te parler avec Jussa, pour te parler là avec nous. Hein, qui est bien content qu'il fasse un bon moment avec nous. Et ce n'est pas un mal facile que lié. Pourtant, des toutes belles paroles, ça y est. Tu as parlé là. Tu me quitter nous avec toute cette programmation émission, hein? Ni pour Télé Indépendance, Haïti TV et en Canal Bleu, en Télé Impact, en Pambé, PVS dans West Palm Beach, Haïti en direct à travers le monde entier et BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. Pas oublier ou pas gagner appel dans téléphone nous download li. BPX TV Réseau. Vous mettez download li dans le téléphone. Ou. Et vous même sur un téléphone Android, vous pouvez faire bpxtvradio.com et puis vous avez télévision dans le téléphone. Ou même mettre sur n'importe tablette ou n'importe computer ou rien. Hein? Vous mettez faire à la website, là, on peut télévision plus facile pour vous payer notre application. Et encore, tout le monde qui est sous boîte, Roku, quel que soit côté nous, dans notre plateforme Android. Nous avons trouvé BPX TV Réseau qui est l'espoir de la culture haïtienne. Puis belle chose comme ça, nous allons gagner la semaine prochaine avec vos serviteurs sur les belles formes. Enjoy tout le monde, à la prochaine. BPX Production présente Belle Talk Show Magazine sur Haïti TV, chaîne 64.3 Digital. Du lundi au samedi, de 4h à 5h PM. This is it. Belle Talk Show Magazine sur Haïti TV. Tout cela pour vous apporter le bonheur auditif chez vous. Avec des rubriques différentes. Les femmes d'abord, causez-moi des chaises. Qui ça la jeunesse besoin? Cuisine ses richesses. HPP mini-série. Belle Talk Show Magazine avec Sony Belle en forme, Aubry Blague, Régine Bastien et Gautienne Bernard. Belle Talk Show Magazine pour toutes vos publicités, promotions et invitations. Veuillez nous contacter au 786-642-3535. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne.